Salut à tous, petite vidéo très courte pour répondre à deux questions qu'on m'a posées à plusieurs reprises. L'une concerne la compatibilité des extensions pour la SCUF Envision et l'autre le comportement de la Raiju Ultimate sur PS5. Alors concernant la Raiju, comme vous le savez, c'est une manette prévue initialement pour la PS4. De ce fait, on peut l'utiliser sur PS5 mais uniquement avec des jeux de PS4. Avec les jeux PS5, il y a un message qui apparaît pour signaler que la manette n'est pas compatible, et si on lance un jeu PS4, par contre, elle sera utilisable normalement, avec toutes les fonctions qu'elle embarque, c'est-à-dire les vibrations et les touches additionnelles. Je vais me renseigner pour voir s'il n'existerait pas un adaptateur pour utiliser les manettes de PS4 sur les jeux PS5, et ainsi pouvoir donner une seconde vie à la Raiju Ultimate. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose de concluant, mais si quelqu'un parmi vous en a déjà un en sa possession, n'hésitez pas à partager le modèle et la marque en commentaire. Je passe au second point qui concerne les extensions pour l'Envision. Bon, alors premier élément à savoir, si comme moi vous avez pris des sticks arrondis lors de votre commande, vous pouvez vous adresser à SCUF pour qu'il vous envoie une paire concave. Pour ma part, j'ai simplement fait une demande au support client, ils m'ont tout de suite dit qu'ils m'en envoyaient une paire. Par contre, ce qu'ils ne m'ont pas dit, c'est que j'allais devoir m'acquitter de 10€ de frais de douane à la réception de l'article. J'ai naïvement cru que le paquet viendrait des Pays-Bas, alors qu'en réalité ça arrive des États-Unis. Je vous le dis les amis, au cas où si ça peut éviter des déconvenues. Bon, sinon, parmi les modèles qui tiennent bien, on pourra citer déjà leurs propres extensions, le contraire aurait été dommage, vous allez me dire. Ensuite, il y a les Inferno version Xbox et Switch qui offrent aussi une bonne accroche, je pense que si l'on n'appuie pas comme un âne, ça fait très bien l'affaire. Idem pour les Galaxy version PS5-PS4 ainsi que les Play Vital, toujours en version PS5. Et pour ce qui est des modèles qui s'adaptent mal, il y a les Galaxy version Xbox cette fois, en forçant de façon vraiment exagérée, j'imagine que ça passe, mais j'ai pas voulu le faire pour ne pas déformer les petits crochets en plastique. Même constat pour le modèle Xbox de Play Vital, il n'est pas assez large et les crochets sont trop courts pour bien s'adapter. Quant au Edge et Omni version PS5-PS4, celle-là passe dessus mais en tournant beaucoup sur elle-même. Ça peut s'utiliser dans ces conditions mais c'est vraiment pas l'idéal, donc pour ma part je les déconseillerais pour les sticks de l'Envision. Voilà les amis, en espérant que ça puisse être utile à certains, j'en profite pour vous dire que j'ai reçu la G5 Pro hier, donc c'est bien elle qui passera avant la King Kong 3. Allez, je vous dis à très vite, ciao !